Et salut à tous, c'est XOJ, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau guide sur GTA 5 Online. Donc c'est très simple, c'est pour dupliquer les véhicules de votre pote. Donc pour commencer, il faudra que votre pote ait un véhicule. Il faudra qu'il passe pas très loin, enfin, près de votre maison. Ensuite, il faudra qu'il bloque le côté passager sur un mur. Et qu'il faudra qu'il mette accès véhicule seulement aux passagers. Comme ça, vous allez vous téléporter, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ensuite, vous rentrez dans votre garage, il faudra obliger un BMX. Ensuite, si vous avez votre BMX, vous collez au BMX, vous lancez, enfin vous ouvrez votre téléphone, vous lancez la mission de Simone, Lister ou qui vous voulez, c'est vraiment, c'est pas important. Ensuite, vous touchez à rien, vous mettez juste rond. Il y aura un écran noir, il faudra compter 2 secondes et faire flèche de droite plus triangle. Après, vous allez avoir un petit bloc, vous allez apparaître dans votre véhicule. Ensuite, dans votre garage, et normalement, s'il y a ça, c'est-à-dire que le véhicule a, enfin le bug a marché. Donc après, là, je vais sortir de mon garage. En tout cas, petite dédicace à Frappe Algérienne, car c'est sa voiture. Et comme vous pouvez le voir, j'ai vu la limousine. Enfin, on a attrapé la limousine rose. Donc voilà, donc là, je vais re-rentrer dans mon garage pour prendre le véhicule. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai plus mon BMX. Donc c'est normal. La voiture a pris la place du BMX. Donc si vous voulez, votre BMX, votre voiture, soit dans votre garage et pas au lieu du BMX, il faudra juste sortir et rentrer. Donc en tout cas, là je vais aller à Los Auto Custom pour vous montrer que je peux bien vendre ce véhicule. Donc en tout cas, je vous invite à rejoindre notre page Twitch, Facebook et Twitter. Et moi je vous dis ciao et peace.